Yahoo mon petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour l'ouverture de 10 gachapons spécial Pokémon, donc si la suite t'intéresse, continue. En ce qui concerne les gachapons, comme d'habitude, ce sont des gachapons que j'ai achetés sur le site de Candysan, donc je vais t'afficher à côté de moi un code pour avoir moins 5% à chaque commande. Et juste un truc, cette fois-ci je filme, je suis debout, d'habitude je suis assise sur un tabouret, sauf que le tabouret il arrête pas de grincer, donc je me suis dit... Pour vos oreilles, c'est mieux que je filme debout, mais forcément, je serai pas des masses à l'aise. On va commencer donc avec ce gachapon là, le jaune. Donc c'est parti. J'ai même pas pensé à demander à ma mère d'enlever les scotchs. Ça promet. Bon, je pense qu'on l'a aperçu depuis tout à l'heure que c'était... Donc, on a Pikachu, mais je veux d'abord voir du coup la liste qu'on peut avoir. Donc on a Pikachu, on a Brindibou. Rondoudou avec son marqueur, on a donc, comment ça s'appelle déjà, Goupix d'Alola, pardon, et Ossetueur, non, Osley, Ossetueur d'Alola, enfin bon, je pense que toi tu l'auras reconnu. On a que ça, donc je pense que j'ai deux collections mélangées, j'ai l'impression, on verra bien. Parce que j'ai cru voir d'autres Pokémon, et puis surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, du coup, sur ça. Donc, voilà, le petit Pikachu, on va peut-être zoomer quand même. Finalement j'ai réussi à m'asseoir sur un coin du tabouret sans que ça fasse de bruit, donc j'espère que ça fera pas de bruit, sinon je m'en excuse. Donc voilà, Pikachu, il a l'air un petit peu vénère, je trouve, et je trouve ça trop mignon. Donc on a une espèce de papier avec, je trouve ça dommage parce que du coup il est plié. Donc c'est Nintendo et c'est fabriqué au Vietnam, voilà, il n'y a pas trop d'informations. Et j'ai oublié de dire depuis tout à l'heure, c'est qui l'a fait? C'est Takara Tomy. Ok. On va donc continuer avec un deuxième gachapon qui est dans les tons orangés. Donc en fait j'ai deux collections, j'avais pas fait gaffe, j'ai deux collections en même temps, mais c'est pas grave vu que c'est tous les deux des Pokémon. Donc juste petite précision pour ceux qui achètent sur Candysan, à savoir en fait que quand tu y as par exemple sur la collection, c'est affiché, ils te disent qu'il y a 5 items différents. Si tu en achètes 5, ils te mettent la collection complète. Voilà, c'est juste après s'il y a de deviner qui on a. Donc on avait un gachapon orange, logiquement je dirais du coup qu'on a Brindibou. Bingo! Le petit Brindibou. Voilà. Après il y a des collections, il faut savoir par exemple quand ça va être des collections comme les pandas ou quoi, je vais pas forcément prendre l'intégralité de la collection, donc on aura plus la surprise de qui on a. On va donc essayer de choper le rose, donc je dirais Rondoudou. On va essayer d'ouvrir sans voir. Non, ne fais pas attention à mes ongles, ils sont complètement en fin de vie, je les ai cassés ce matin, voilà. Et c'est parti, j'aimerais bien l'ouvrir, voilà. Donc on a bien le petit Rondoudou qui est vraiment mignon d'ailleurs. Là je viens de remarquer que toutes les cordes étaient bleues, c'est sympa. Plutôt sympa. Donc voilà, Rondoudou qui est pas content parce qu'on n'a pas écouté sa chanson, on s'est endormi. J'ai toujours kiffé ce Pokémon. J'ai toujours adoré ce Pokémon. Et on en a un autre. Donc là, il est blanc. J'ai envie de dire que c'est Goupix. On va regarder vite fait. Ouais, c'est Goupix. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de demander à ma mère de m'enlever les scotch pour que ça aille plus vite. Et voilà. Oh, il est trop beau. Il est vraiment très 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 beau. Impressionnant. Je le trouve juste trop mignon. Et donc du coup, il nous manque Osley, j'ai perdu, je suis désolée. Alors, où est le bon gacha? Le voilà. Noir, ça correspond tout à fait. J'aperçois donc c'est bien lui. Et le voilà. Hop là. Qui est vraiment magnifique par contre. Voilà, les petits tambours là sont très fragiles. Moi bon, après c'est pour être mis sur des étagères donc ça va, mais si tu dois l'accrocher à ton portable, je te le déconseille. Donc finalement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on a au final deux collections. Donc c'est parti pour la deuxième. Alors je suis en équilibre, je t'explique même pas donc. Un petit peu galère de tout faire, d'être en équilibre, d'ouvrir les gachas.
se mettre du scotch un peu partout. Tout va bien. Alors. On va juste... Je ne verrai plus rien parce que de toute façon je reste concentrée sur la liste. Ah oui, c'est les Pokémon qui dorment. Trop cool. Donc on a Motix Madex, on a Pikachu, on a Copic Zalola. On a Ronflex, cool, mon Pokémon préféré. Un de mes Pokémon préférés de la saison 1. Et Rondoudou. Donc comme on avait la boule rouge, je pense qu'on a Motix Madex parce que sinon ça aurait été rose. Donc le petit Motix Madex. Ah, c'est bien, c'est qu'en fait ses bras donc permettent qu'il tienne debout. Enfin debout. Bras compris. Donc du coup les bras permettent qu'il tienne vraiment debout. C'est génial ça. Voilà. J'ai oublié de regarder là aussi, mais c'est aussi Takaratomi. Donc voilà. Ensuite, on continue. On va prendre le rose, comme ça on aura Rondoudou. Et c'est bien Rondoudou. Là. Oh, il est trop mignon. Voilà, le petit rond doudou qui dort. Dessous est écrit Nintendo Pokémon T-Art Manning Vietnam. Tiens, tiens, je viens de constater un truc, mais bon, ça c'est vraiment le truc débile, mais je viens de constater, on dit tout le temps que tout est fabriqué en Chine. Les gachapon ne sont pas fabriqués en Chine. Ils sont fabriqués au Nam. Oh bah, j'ai perdu tout mon vernis là, ça y est, c'est mort. Bon. C'est pour ça que je veux pas enlever les scotch, parce que je demande toujours à ma mère d'enlever les scotch. Pour pas ma spoil aussi, qui sait. Oh, Pikachu, trop mignon. Oh, j'adore les Pokémon qui dorment, les figurines comme ça de... Même que ce soit pas Pokémon, mais les trucs qui dorment comme ça, je trouve ça trop mignon. Donc tu peux le mettre comme ça en fait. Hop, hop, voilà. Pikachu qui dort avec son petit bras et tout. Oh là là, trop mignon. Je sais, j'aurais dit beaucoup trop mignon dans cette vidéo, mais c'est pas ma faute. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans la première collection quel était le Pokémon que tu as préféré et dans celle-ci aussi de me dire du coup lequel tu préfères. Déjà le Pokémon en soi et après quelle est la figurine que tu préfères en... parce que des fois on peut aimer un Pokémon et être déçu. Et oui. Hop. Les ongles sont plus arrivés. Hop. Le petit Goopix. Donc le fameux petit Goopix. Oh là là, oh là là, qu'il est mignon. Il est trop chou. Voilà, et on va donc terminer avec le dernier gachapon qui est donc mon petit Ronflex d'amour. Et c'est bien mon Ronflex d'amour. Elle est méga lourde la figurine au final. Hop, non, hop, voilà. Oh, il est trop beau mon Ronflex. Oh, il est trop beau. Hop. Voilà. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je suis plutôt content parce qu'au final, même si ce sont deux collections de Pokémon que je vous verrai en même temps, il y avait quand même beaucoup de Pokémon différents parce qu'on a gardé Pikachu et Goopix et Rondoudou, mais on a eu Motix Madex et Ronflex. À côté, on a Osleo, Ossature, j'ai encore paumé, et Brindibou, donc de différents, donc je trouve ça quand même plutôt cool. N'hésite pas à me dire dans le sondage qui aura en i quelle est la collection que tu préfères, si c'est les straps ou les Pokémon endormis. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!